Allez, viens. Wow, ok, oui, non, mais viens, mais doucement. Bonjour, le chat. Qu'est-ce que tu fais avec le chat, là? Et après, bah, tu ressortais à poil. Oui, c'est rigolo. Oh, il y en a un qui a fait une guerre ici. Putain, le nombre. Ok, donc si tout le monde sait se tenir, on se retrouve pour un nouvel épisode des pires ou des meilleurs fights sur Red Dead Redemption 2. Vous avez bien aimé les deux premiers épisodes. Si jamais vous voulez aller les voir, cliquez au-dessus à droite de votre écran. Vous retrouverez des playlists et des liens. Aujourd'hui, on part pour l'épisode 3. Et si vous voulez un épisode 4, eh bien, bombardez les pouces bleus s'il y en a assez. On fera un épisode 4. Aujourd'hui, épisode 3, et on va voir une compilation des pires conneries. Mais également des coups de chance sur Red Dead Redemption 2. Je suis sûr que la plupart de ces actions vous sont déjà arrivées. Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste avant de commencer, bien entendu, petit café, et je touille avec une touillette. Oui, voilà, le 1, je se rappelle. Voilà. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee et sur Utip et qui m'ajoutent sur les réseaux sociaux. Allez, viens le cheval. Viens le cheval. Allez, viens. Allez, viens. Wow, ok, oui. Non, mais viens, mais doucement, doucement. Effectivement, hein, on a tous déjà laissé notre cheval au bout d'une montagne. On est descendu et après, faut le siffler. Mais normalement, il fait le tour. Il descend pas si vite. Là, c'était efficace. Oui. La chasse à la panthère. Mais une panthère invincible. Là, sinon, c'est pas rigolo. Ah, une panthère buggée même. Oh, on peut prendre des petites photos avec. Oh, c'est devenu son ami. C'est comme un gros chat. Bonjour, le chat. Qu'est-ce que tu fais avec le chat, là? Oulala. Très bien que tu puisses... Wow. Ouais, non, mais ami, mais pas trop longtemps quand même. Faut pas déconner. Arthur qui va prendre un petit bain. Je sais pas si vous saviez, il y a un bug pour foutre Arthur à poil dans Red Dead Redemption 2. Je vous montre des images tout de suite. C'est en utilisant la salle de bain. Faut passer à travers un mur, etc. Et après, bah, tu ressortais à poil. Je vous l'avais pas fait en vidéo parce qu'il y avait plein de personnes qui avaient déjà fait une vidéo dessus. Oui, c'est rigolo. Ouais. Mais n'hésitez pas à vous promener à poil dans Red Dead Redemption 2, hein. Il faut arrêter de faire du tout-terrain dans Red Dead Redemption 2. Maintenant, on a compris, ça ne marche pas. Restez sur les chemins, voilà. Sinon, voilà ce qui se passe. Voilà. Et comment tu remontes, là? T'as l'air con. Eh oui. Et ton cheval, il va sûrement se péter la gueule. Attends, il va essayer de le remonter avec le lasso. Oh, s'ils arrivent à faire ça... S'ils arrivent à faire ça, c'est des génies. Ça va passer, ça va passer, ça va le faire. Bon, le cheval, c'est pas grave, il est cuit. Mais s'il remonte, c'est incroyable. Bravo, bravo, bien joué. Génial. On peut applaudir ces deux personnes, on peut. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, on ne critique plus les façons de descendre à cheval. Il y en a qui font des backflips, il y en a qui sautent. Ce qui aurait été rigolo, c'est qu'il arrive sur le deuxième cheval et qu'il remonte sur le cheval, tu vois. Ça, ça aurait été pas mal, tu vois. Ah, ça, c'est les fameuses maisons qui se construisent au fur et à mesure du jeu. Quand vous venez au début, il n'y a rien. Au milieu, il y a un chantier et à la fin, la maison est construite. Un des points incroyables de Red Dead Redemption 2. Si vous voulez mon avis, ils ont l'air mal partis. Ça va se péter la gueule. Est-ce que vous croyez qu'on peut les aider? Ah, ah, ça tombe, ça tombe. Dommage, dommage, dommage. Ça me fait penser à une scène dans un film. Il y a une scène dans un vieux, vieux film où le mec, justement, il avait fait une cascade et la maison tombait. Il fallait qu'il passe juste pile poil dans le carré de la fenêtre. Ça aurait pu faire pareil. Ça aurait pu. Allez, c'est parti après une bonne nuit de sommeil. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Quoi? Ben oui, pourquoi pas, hein. Ça, c'est une petite cabane dans laquelle il y a un ours. J'ai fait une vidéo dessus il y a longtemps. Allez voir au-dessus à droite dans la playlist de tous les easter eggs et secrets. Vous finirez par tomber dessus. Ah, là, l'ours est pas dedans. Pour le coup, du coup, il est... Non, ce coup-là, il était déjà dehors. Dommage. Dommage. Pauvre cheval, tu es abandonné et attaché à cette chariote. Nous allons te libérer, cheval. Tu vas pouvoir galoper. Vas-y, galope, galope. Ah oui, mais non, mais si vous êtes pas coopératif aussi, bon, merde. Ah, un pont. Il faudrait pas qu'il y ait un train qui arrive. Oh! Un train. Vas-y, serre à gauche, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas. Ah ouais, ça c'est des inconnus aléatoires. Ils sont en train d'essayer d'ouvrir un coffre avec une bombe. Et normalement, ils se font exploser la gueule, hein. Et puis vous pourrez récupérer les trucs dans le coffre après. Oulala. Oh, il y en a un qui a fait une guerre ici. Putain, le nombre. Wow. Est-ce que c'était pas pour un défi, essayer de tuer je sais plus combien d'ennemis en même temps? Mais regardez-moi le nombre de flics. Il a dû y passer des heures, le mec. Le nombre de petites croix sur la carte aussi. Impressionnant. Ah, il va faire une crise cardiaque, c'est ça? Wow! Non, incroyable. Ha! La probabilité pour que ça arrive. Promenez-vous dans Red Dead Redemption 2, tirez en l'air et attendez qu'il y ait un oiseau qui tombe. Vous allez voir. Vous allez mettre un moment, je pense. Wow! Flash! Flash dans Red Dead Redemption 2. Il était pressé, le type, hein. Vite, faut que je le libère. Flash! Attention, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Wouh! J'avais dit, ça glisse. Mais personne m'écoute jamais, de toute façon. Oh mon dieu. Alors celle-là, je l'avais jamais vue encore. J'ai le trapeau. Wow. Ah, je crois qu'on a un record du monde de l'expulsion de bugs. Ça me fait rappeler un ancien bug sur GTA 4 qui n'avait jamais été corrigé.
et qui du coup était devenu un mème, c'était avec la balançoire dans je sais plus quel quartier. Fallait bloquer sa voiture contre un poteau de la balançoire et BAM, ça t'explosait super loin. Ah, c'est toujours plaisant un petit bug sous la carte. Ça me fait penser à l'ancienne vidéo que j'avais fait pour retourner à Guarma après le jeu. Allez la voir, pareil, au-dessus à droite de votre écran. Fallait passer sous la carte et tomber dans l'eau, puis ça vous téléportait. C'est une technique qui marche plus aujourd'hui, mais allez la voir quand même si vous avez jamais vu. Ça peut être plutôt sympathique. Et donc voilà, on en a fini avec cette compilation des pires et des meilleurs fails de Red Dead Redemption 2. Je vous rappelle que si vous voulez une partie 4, eh bien explosez-moi ce bouton like. Et si on a suffisamment, on fera cette partie 4. N'hésitez pas à aller voir également tous les liens que j'ai mis au-dessus à droite de l'écran pour aller voir d'autres vidéos. Les suggestions qui arrivent juste après, rejoignez-moi bien sûr sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien rater. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne sur Tipeee ou sur Utip en regardant des pubs, bien sûr gratuitement. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.